Allez, on est en live. Et normalement, on est en stéréo. Eh oui, normalement ça marche. Pharaon, un an déjà, 12 mois d'abonnement avec Prime. Merci, Pharaon, de te réabonner. Merci. C'est la famille. Smileyou, pareil, petit abonnement. C'est son huitième, donc 7 mois consécutifs. Merci à toi. Donc, on va faire ce petit live, tranquillou, débat fac, comme d'habitude, comme tous les mardis. Dites-moi si le son est bon, et en stéréo. Et on va commencer par les bons plans Mercato, comme d'habitude. Vous le savez, même s'il y a Francky au Vélodrome, j'ai vu passer le tweet de Titi, moi aussi. Salut à Yanis. On va commencer donc, je disais, par les bons plans Mercato. Poste ailier droit, donc ça serait plutôt pour venir concurrencer notre ami Wunder. Salut Earthman Fire, Tiny Attention, Kit, welcome. Je disais, ailier droit, il y a Pharaon justement qui m'a proposé un ailier droit, un jeune ailier droit, donc c'est sa propos. On peut commencer par ça. D'ailleurs, je vous ai mis aujourd'hui, parce que j'ai pas eu le temps, j'avais zappé de le faire. Vous avez sur Twitter les votes, ça sera dans un article. Dès demain matin, les votes pour le poste d'ailier gauche. On en avait sélectionné 4 la semaine dernière. Donc là, on va essayer de sélectionner 4 ailiers droits. Donc, comme d'habitude, ne me balancez pas juste des noms. Essayez de me faire un petit détail un peu plus précis. Avec le poste, l'âge, etc. Les qualités, les défauts, le contrat, tout ça. Donc, le premier, c'est la proposition de Pharaon. C'est Kaiki. C'est un jeune Brésilien de 19 ans. Il appartient à Manchester City depuis l'année dernière. Il a été recruté en provenance de Fluminense pour 10 millions d'euros. Donc c'est un jeune ailier droit, gaucher. Il a un gros contrat jusqu'en 2026, mais ça serait donc dans l'idée, je pense, d'un prêt rapide, technique. Voilà. Donc jeune ailier droit brésilien, né à Rio de Janeiro. Voilà. Kaiki, c'est la proposition Pharaon. Est-ce que vous avez d'autres propositions? Je les attends en tout cas. Merci au président des Lapins qui se réabonne. Et c'est son 12e mois d'abonnement. Merci à toi. C'est la famille, ça aussi. À partir de 9 mois, c'est la famille. Colopus, tu me dis, il n'y aura pas de transfert jusqu'au passage de la DNCG, non? A priori, ouais. A priori, ma courte. Enfin. Ça, j'ai vu ça dans la Provence, mais c'est ce dont on se doutait un petit peu. Pablo Longoria fait dire aux agents que de toute façon, rien ne sera fait tant qu'il n'y aura pas le feu vert de la DNCG. Donc, a priori, ce jeudi 23 juin. Vous n'avez pas de bon plan Mercato, ailier droit? Dites-moi, les gars. Salut Talos. Talos, tu vas nous. Ou quitte, vous allez bien me trouver une petite proposition. Alors, quitte, toi, tu demandes, les émissions précédentes sont passées en live sur YouTube uniquement parce que je n'avais pas reçu les notifs sur Twitch. Alors, il y a eu un problème. Alors, il y a deux choses. Première chose, les apéros Mercato, c'est pas tourné en direct parce que c'est en extérieur, c'est un peu compliqué en termes de connexion, etc. Donc, ce sont des émissions qui sont enregistrées et donc diffusées uniquement sur YouTube dans les conditions du direct, mais en différé à 17h30. C'est enregistré en fin de matinée. Donc, ça, c'est normal, ça passe pas sur Twitch, l'apéro Mercato. Pour le débat foot d'hier. En fait, c'est notre unité centrale. Bonne petite mise à jour à Windows qui nous a tout fait planter. Donc Ryan a été obligé de piloter tout ça avec un ordinateur portable. Et c'était trop compliqué. Donc c'était uniquement sur YouTube. Mais on sera de retour, bien sûr, sur Twitch dès lundi prochain. Vous inquiétez pas, c'était un plantage, on va dire, juste d'une fois. Un one shot, j'espère. Ah, Pharaon, tu proposes Gauthier Hein. Ah oui. Il reste qu'un an de contrat. Attaquant droit, français, 25 ans, qui a joué au Serre, qui monte donc avec Auxerre, rapide, dribbleur, polyvalent, tendance à avoir du mal à finir les matchs, et transfert marked 3 millions d'euros. Voilà. Est-ce que ça vous plaît, Gauthier Hein? Moi, ça me paraît un peu léger pour la Ligue 1 quand même, surtout pour l'OM. Prototype OM, toi tu proposes Ilan Kebal de Reims, un Marseillais, 23 ans, ailier droit, gaucher, doublure pour Under.
et de paillettes en meneur de jeu. C'est pas mal ça, Kebal. Moi, ça me plaît bien ça, Kebal. Je note. Ouais, Yannick, je suis assez d'accord avec toi, moi. Heinz, j'ai trouvé un peu limité, ouais. Alors, Brian Elianga, tu me proposes ailier droit, Aaron Boupanza, international gabonais, meilleur buteur du championnat turc 2020-2021. Alors, est-ce que tu peux me donner son club, combien il lui reste de contrat, etc. Talos, abonnement, on sait son 11e mois d'abonnement, c'est la famille. Merci Talos. Merci à tous ces gens qui s'abonnent, qui se sub à la chaîne. C'est grâce à vous qu'on peut faire toutes ces vidéos, qu'on peut continuer à vivre, continuer à vous proposer tout ça. Merci pour votre soutien. On est en train de peaufiner toute notre nouvelle offre pour les gens qui veulent nous soutenir. Mais en tout cas, déjà, tous ceux qui s'abonnent et qui se sub à la chaîne, c'est déjà un soutien hyper important pour nous. Donc, un grand merci à vous tous. Ça nous fait plaisir et ça nous aide surtout. Fabien Santonze, Delaine, ça peut marcher. Alors Delaine, je crois qu'il a déjà signé à Strasbourg, si je ne dis pas de bêtises. Et Santonze, latéral droit. Les latéraux, on a fait les latéraux droits, je crois déjà, je ne me souviens plus. Eric Lamela, prototype, je crois qu'il a quand même joué. Hein. Il a joué un peu et il a même un peu viré au Campos, je crois, en fin de saison. Talos, oui, le film des Minos, mais écoute, l'avant-première était vraiment super sympa. Maintenant, il va faire la tournée des festivals, il va falloir qu'il y ait un distributeur qui l'achète, et on verra comment ça sera diffusé, mais franchement, c'est un très 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 bon documentaire. Prototype OM, Lamela en prêt, oui, pourquoi pas. On est si bien ensemble, Lamela. Allez, je le rajoute si tu veux. Oui, on va en parler après. Enfin, on va en parler. J'ai rien à dire sur ma courte au Vélodrome. Hein. Je pense qu'ils visitent les installations. Ouais, il y a un usage. Je le mets en option. C'est une rumeur qui sort souvent. Il y a un usage. Amoutsou. Attaquant droit, Anderlecht, 22 ans, fin de contrat 2024, 31 matchs, 5 buts, 4 passes D, rapide dribbleur, ambidestre. Il est à 5 millions. Amoutsou, mais ça me dit quelque chose ce nom. On a entendu parler un petit peu. Neres a signé au Benfica. Oui, j'ai vu ça, Yanis. Onora, ah ouais, Onora, moi, je pense que c'est un bon joueur de Ligue 1, mais c'est peut-être un peu limité pour l'OM, je pense. Alors, Talos, toi, tu me promoses De La Vega, De Lanus, joueur percutant, De La Cruz, milieu polyvalent, River Plate. De La Vega, c'est un ailier droit ou pas? On est sur les ailiers droits, là. Il m'en faudrait un petit quatrième. Je suis parti sur Kebal, Lamela et Amoutsou. Sinon, je mets Kaiki. Mais sinon, si vous me proposez un quatrième, on peut partir sur ça. Rhys Nelson me dit quitte, prêté au Feyenoord par Arsenal. Ok, pourquoi pas. Alors, je reprends. Alors, Poulcra, tu me dis Michael Hollis, 20 ans, international U20, milieu droit, fin de contrat 2026, McCourt sort le chèque. Je suis pas sûr que ce soit McCourt le meilleur pour sortir le chèque quand même. Yanis, tu proposes Noni Madueke du PSV, 22 ans, mais tu dis que ça risque d'être cher. Pour ton type OM, tu précises que De La Cruz est parfait, ailier et des deux côtés, il peut même jouer meneur. Tiny Attention, tu proposes Dennis Mann de Parme en série B, 23 ans, bonne stat, perfectible, mais pour la rotation avec Under, ça peut être intéressant. Il est même capable de lui prendre sa place, selon moi, roumain, 6,5 millions d'euros, fin de contrat 2025. C'est pas mal ça aussi, comme idée. Dennis Mann. Je note, je note, je note, les gars.
Brian, tu proposes Aaron Boupenza à l'Arjli au Qatar, 25 ans, international gabonais, a été meilleur buteur du championnat turc avec Hatay en 2020-2021. Ouais, ça, c'est des joueurs qui, sur ce coup, des fois, se retrouvent avec des bons salaires en plus là-bas. Ouais, Banega, je suis pas sûr hein, que tu puisses te mettre encore sur lui. Walter Benitez aurait été un bon renfort pour nous. Bah, le problème, c'est que Walter Benitez, c'est peut-être lui qui va engendrer le départ de Mandanda. Donc, ouais, je suis d'accord avec toi, Yannis. C'est vrai que les Pays-Bas, ils vendent cher et ça marche pas tout le temps en plus. Vous avez obtenu tous les émoticônes du niveau 1. Bravo. Victor Moses, ailier droit et latéral gauche ou droit aussi. Johan Bakayoko, ça c'est Pharaon qui me propose. 19 ans, fin de contrat 2025. Un Belge qui joue au PSV. Dribbleur. Enzo Lefebvre de Lorient. Mais tu sais que Ziri, Enzo Lefebvre, il était suivi par la cellule de recrutement de l'OM, l'ancienne, hein, avant que Longoria arrive. Vraiment suivi attentivement, même quand c'était en Ligue 2. Donc c'est un joueur qui a longtemps été suivi. Yanis, toi tu proposes de relancer Calvin Steins. Steins, c'est difficile à prononcer. Si Fournier s'en va. Ludovic Nio, tu proposes Lucas Aurelo, 22 ans, Argentin, fin de contrat 2023. Ayrador a pris dribbleur, suivi par l'OM l'été dernier. C'est vrai qu'on en avait entendu parler. L'année dernière, effectivement, Aurélo. Aurélano, pardon. L'attaquant qui m'intéresse, c'est Castellanos, qui va falloir sortir le chèque 15 à 20 millions. Et ça, il faudra pour avoir cherché un attaquant. Talos, il faudrait déjà qu'il y en ait qui partent. Bergvins, on en avait parlé la semaine dernière, Steven. Mais a priori, ça va repartir à l'Ajax. Justin Kluivert, ouais, c'est une des pistes déjà, prototype OM, a priori. Nice va pas forcément lever l'option d'achat. Mais ça coûte cher, Kluivert, hein, quand même, Cartman Fire. Possible de relancer Castellano, tu l'as déjà dit, Pharaon, ouais. Diego Lanez, 22 ans, Betis Séville, très prometteur à ses débuts, prototype. Profil typique à relancer. Ah oui, typique à relancer. Faut pas oublier qu'on a Chegizander à droite. Faut un espoir pour le concurrencer. Ouais, Poulcra, je suis plutôt d'accord avec ça. Cabral du Sporting, c'est très fort. 6 millions seulement. C'est quoi? C'est le Transfermarkt. Cabral, je crois que c'est une rumeur, ça aussi. En même temps, il y a tellement de rumeurs que. BKBK. Ah oui, mais il est parti. C'est celui qui est parti en jouer en Russie, non? Tiny Attention, tu dis McCourt au Vélodrome, 2 jours en le passage devant la NCG, ça va faire parler. Ah ouais, ça tu sais que. Déjà qu'il y en a plein qui voient des signes là où il n'y en a pas. Alors là, McCourt au Vélodrome. Enfin, c'est Titi qui a balancé ça, information à vérifier. Moi, je fais confiance à Titi, qui est tout le temps devant le Vélodrome ou devant la commanderie. Mais. Si McCourt est au Vélodrome, oui, on peut se poser des questions. Pourquoi il est là? Peut-être des rendez-vous, tu sais, après avec certains. Tu peux avoir des rendez-vous au Vélodrome pour certains clients, des sponsors, etc. C'est pas forcément une vente, etc. J'exclus rien, mais il faut pas s'enflammer, quoi. Y a pas de. On sait pas, en fait. Donc on va pas inventer. Poulcra, tu dis petite question. Alexis Sanchez, c'est sérieux ou pas? Ben, a priori, le joueur serait pas contre venir à l'OM et être entraîné par notre ami Sampaoli. Mais c'est qu'il a un bon salaire et que il a pas trop envie de le baisser. Et que donc du coup ça va être compliqué. Moi je pense que c'est une possibilité, mais il faudrait qu'il y ait déjà un départ de Milik obligatoire. Et encore, je suis pas sûr que ça suffise. Parce que c'est un sacré gros salaire. C'est comme Schneider. Des joueurs comme ça, c'est compliqué. On a déjà vu qu'on s'est fait carotte notre ami Witzel. Je peux vous dire que c'était très 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 chaud. C'était pas loin d'être fait avec Witzel. Il manquait quelques détails et finalement l'Atletico a proposé un plus gros contrat alors que l'OM proposait 2 ans de contrat plus 1 an d'option. A priori, l'Atletico c'est seulement 1 an plus 1, mais le salaire est bien plus élevé.
et ça a suffi pour le convaincre. Bon, après, lui, il avait envie de jouer, il avait envie de jouer dans un club qui joue l'Europe. Donc là, les deux clubs, ça colle. Et sa femme, elle voulait vraiment vivre un peu dans un pays du Sud, là. Elle avait marre de l'ambiance Allemagne, Russie, compagnie. Donc voilà, c'est dommage. Moi, le Witzel, c'était un bon coup, je trouve. Titi, il a rectifié déjà. Oh là là, Titi, il met le feu, hein. Il met le feu à Twitter pour rien, notre ami Titi. C'était quelqu'un qui ressemblait à McCourt, quoi. Fausse info, bon ça va. Au moins il s'en est rendu compte assez tôt. Mais bon, c'est parti de partout, hein. Il y a déjà tous les insiders qui sont chauds bouillants là. Dans le profil Highlander, il y a quand même une rumeur qui est sortie aujourd'hui. C'est l'OM qui serait intéressé par Manuel Benson. Longoria s'est renseigné. C'est un dossier assez sérieux. Il y a aussi Lyon et Schalke 04 sur le coup. C'est un joueur d'Antwerpen. D'Antwerp. Voilà, donc joueur de 25 ans. C'est une possibilité aussi à ce poste d'ailier droit. Donc ça, c'est pas un bon plan mercato. Kit, tu me dis vite ça, je suis vraiment déçu parce que 4 millions encore pour un trentenaire, je pense que ça aurait été peut-être beaucoup. Ah ouais, c'est sûr que c'était un salaire. Après, tu fais un contrat court et il est fit, hein. Je sais pas si vous avez lu sur le site, on a interviewé notre ami Florian Holzbeck qui nous disait que c'est un joueur par contre qui est très sérieux. Qui est très fit, qui a une très bonne hygiène de vie, qui est à fond sur le foot et donc qui est très sérieux donc, et qui est très bon avec son équipe nationale encore. Donc c'est un bon joueur, Witzel. Ah, j'ai vu passer un dernier bon plan mercato. Pharaon. Tsikhangov, ukrainien. Dynamo Kiev, 24 ans, fin de contrat 2023. Voilà, encore un Pharaon, il a une liste, c'est Longoria lui aussi. Ah, prototype OM, je peux pas dire. Benson, je vais pas t'inventer, je regarde pas le championnat belge, donc je ne sais pas. Je pourrais demander à Florian qui nous en parle pour savoir un petit peu son niveau, mais moi je connais pas. Salut John, ouais. Ça marche. Witzel, c'est pas mort à 100%. A priori, c'est très chaud là. En Espagne, on dit que c'est fait avec l'Atlético Madrid, hein, de Madrid. Donc, non, a priori, c'est mort quand même. Ouais, prototype, on en avait parlé aussi. Jonathan Bamba, c'est peut-être. Il a plus qu'un an de contrat. Après, c'est un joueur irrégulier. Moi, je me méfie de Bamba. Il a été capable de belles saisons. Et depuis, il est un peu plus dans le dur. C'est un peu plus compliqué. À noter que. Walter Benitez, l'ancien gardien de Nice, s'est engagé avec le PSV, si je dis pas de bêtises. Et donc ça va vraiment relancer la piste Mandanda à Nice. Faut rappeler que Nice a levé l'option d'achat. Je vais essayer d'articuler un peu plus. L'option d'achat de Boulka, le gardien qui était prêté par le PSG. Donc il pourrait peut-être prendre Mandanda pour avoir deux gardiens de haut niveau et laisser l'autre Boulka grandir un peu. Ça ferait bizarre de voir Mandanda avec le maillot de Nice quand même, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça j'avoue que ça me ferait drôle. Le top serait un hybride milieu ailier droit comme Renato Sanchez. Mais d'ailleurs, Renato Sanchez, ça aussi c'est une rumeur du jour. A priori, il se rapproche vraiment du PSG. Il pourrait signer à Paris pour 25 millions d'euros, d'autant que Galtier, ça serait fait avec Paris, selon Foot Mercato. Et ça pourrait avoir des conséquences sur l'OM. Puisque si Paris fait Renato Sanchez, Milan, qui voulait et qui devait faire Renato Sanchez, pourrait se relancer la piste Veretout, qui est aussi une option pour Longoria à ce poste-là, de 6. Même si c'est un 8 pour moi. Tu crois que Mandanda c'est plus vers le Stade Rennais? Je suis pas sûr. Hein. Moi les échos que j'ai eus depuis pas mal de mois, c'est que Nice est chaud sur Mandanda. Je ne suis pas sûr que ce soit le Genesio s'intéresse à lui, mais je sais pas. On verra. Mais il y a des chances qu'il parte quand même. Mounir, 26 ans, peut jouer sur tout le front de l'attaque. Fin de contrat 2023.
Pardon. Oui, j'ai vu passer ça. J'ai vu passer venir pour échanger pour échanger de club cet été. Pourquoi pas? La piste Vaast va ressortir aussi. Pourquoi il n'a pas beaucoup joué là, notre ami Vaast? J'ai pas trop suivi. Dites-moi. Cartman Fire. Pardon. 25 millions, c'est donné en vrai. Tu parlais de qui? 25 millions. Pharaon, tu dis je vous laisse, je dois retourner au taf, j'écouterai la fin du replay, j'ai déjà grugé sur mon temps de pause. Ça va, Pharaon. Merci d'être passé pendant ta pause et merci pour toutes tes propositions. Salut Steven. Prototype OM, tu dis je comprends pas pourquoi on replace pas Rongier en 6, honnêtement, je le trouve très fort. Et maintenant qu'il a pris du muscle, il a musclé son jeu et il relance vite et propre. Oui, ça peut être une solution. Je pense que ça peut être d'ailleurs la solution du début de saison de la préparation s'il n'y a toujours pas de joueur à ce poste-là. Après, si tu mets Rongier en 6, ça dépend comment tu joues. Est-ce que tu vas devoir recruter un latéral, sachant qu'il y a des rumeurs comme quoi Lirola pourrait être poussé dehors? C'est une question qu'on peut se poser, quoi. Ced64, tu dis, Hello tout le monde, des news de la DNCG, c'est quoi cette histoire de fair play financier? Non, non, en fait, alors, il y a deux choses. La DNCG, normalement, on devrait avoir une réponse dans 2 jours. Et le fair play financier, en fait, c'est pas exactement le fair play financier, mais c'est la partie financière de l'UEFA. C'est l'ICFC, je crois. Lycée, un truc comme ça. Peut-être interverti les lettres. Qui aurait demandé des compléments à l'OM, donc à suivre, à suivre. Prolongation de Rongier, non, ça, on n'en a pas parlé, mais je pense qu'effectivement, quitte, ça serait une bonne idée, parce que Rongier n'a plus que 2 ans de contrat. Gerson en 6 comme au Brésil. Ouais, Teflon, je suis pas sûr que ce soit génial par rapport à la vitesse de jeu en France. Je trouve un peu meilleur face au jeu. À voir. Je pense qu'il est quand même intéressant plus proche de la surface. Football 832, toi tu dis. Cody Gakpo, 23 ans, PSV Eindhoven, fin de contrat 2023, international néerlandais. Il sort d'une très 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 grosse saison. Même s'il lui reste qu'un an de contrat, je pense que ça va coûter un braquage. Quitte West Ham qui refuse de mettre plus sur Tchaïtatsar et mettre 35 millions sur Hagard. Je ne connais pas trop ce joueur, mais est-ce qu'il est plus fort que DCC? Ah, c'est pas le même genre de joueur en fait. Il est peut-être moins costaud, mais il est plus fin. Il est plus fin dans son jeu. Chien pouvoir, tu dis Griezmann, rêve, véritable possibilité. Moi, je pense qu'en termes de salaire, ça me paraît impossible. Lui, il a clairement fait savoir qu'il voulait faire sa deuxième année en prêt à l'Atlético. Donc, ça me paraît compliqué. Rongier en 6, non merci. Dès que le niveau s'élève, il a les pieds qui brûlent. Le poste hybride lui va bien. Quand on voit pas ses limites techniques comme milieu de terrain. Ouais, je suis pas totalement d'accord avec toi. Il avait fait un mauvais match au poste de 6, mais il en a fait des bons aussi, hein. Je suis pas vraiment d'accord. Il est bidon rongé au milieu, ça doit sauter cette arnaque. Dutch of Marseille, tu vas fort là quand même. Steven, que penses-tu de la rumeur sur le buteur norvégien libre de Krasnodar? Ouais, j'ai vu passer ça. Ouais, je pense que ça fait partie des joueurs qui sont intéressants parce que libre, hein, que Longoria a dans sa poche. Après, franchement, là, il y a pas mal d'infos qui circulent. La Provence en a parlé. Longoria, il aurait déjà plusieurs dossiers qui seraient bien avancés. Donc, en espérant que la DNCG donne son feu vert jeudi, ça pourra aller vite sur les premières recrues. Ouais, je pense que Rongier peut faire le taf au milieu, mais je pense qu'un autre profil pourrait être intéressant aussi. Rongier, l'avantage, c'est qu'il pourra toujours dépanner à ce poste-là. Il pourra toujours dépanner au poste de Guendouzi. Il pourra toujours dépanner en hybride droit. Donc, c'est ça qui est intéressant avec Rongier aussi. Alors, c'est hier, je ne connais pas Manuel Benson, mais on va demander à Florian Holzbeck de nous en parler parce que ailier droit, 25 ans, mais je ne connais pas, j'ai pas vu jouer, je vais pas te raconter de bêtises. Merci pour ta réponse. Cartman Fire, toi, tu penses que Bazoer, a priori, c'est chaud aussi avec un club allemand, je crois, Bazoer. Donc, à suivre. C'est pas le même profil, hein, Bazoer. Bazoer, l'avantage c'est qu'il peut aussi jouer en défense centrale, donc ça peut rappeler un peu le profil Camara pour ça en tout cas. Je ne connais pas suffisamment pour voir s'il a les mêmes qualités de placement, d'anticipation que pour avoir un Camara par exemple. Brian, toi tu dis Harit c'est le remplaçant de Dim, faudra vraiment
qui reste, n'est-ce pas? Alors, je ne sais pas s'il va rester, mais a priori, ça serait une possibilité. Il y a mon ami Hakim qui en parle, qui dit qu'il y a des négociations avec Schalke. Donc, c'est possible que notre ami Amine Harit fasse son retour à l'OM. Non, mais Kakré, c'est un Lyonnais, c'est difficile. Talos, toi, tu dis, il y a Salvio de Boca, très bon sur l'aile et en 10, intéressant aussi. Tu peux envoyer ça à Pablo. Footmaster, salut à tous. Je me demande pourquoi on ne pourrait pas piocher dans les équipes qui sont descendues en Ligue 2. Je pense surtout à Metz et Saint-Étienne, qui ont de belles pépites, et le Chinois bordelais. Alors, le Chinois, c'est peut-être allusion au Sud-Coréen, à Wang. À Metz, effectivement, il y a Santonze qui est sympa comme latéral droit. En doublure, ça peut être intéressant, je trouve. On avait fait ça sur le site, sur footballclubdemarseille.fr. On avait fait les bonnes pioches, les affaires à saisir dans ces clubs-là. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ça sur le site. C'est facile à trouver. 764, pensez-vous qu'une officialisation de la vente pourrait tomber une fois la DNCG validée? Ben, en fait, il faudrait qu'il y ait des négociations qui soient abouties. Et ça, pour l'instant, non. Qu'il y ait des négociations, qu'il y ait des trucs, moi, je pense qu'effectivement, il y a des choses. Après, que ça soit fait, moi, je vois personne. Enfin, certaines personnes ont des informations et disent que c'est fait, mais moi, j'ai un peu du mal avec ça. Après, je ne demande qu'à ce qu'on prouve le contraire. Mais pour l'instant, en tout cas, ça semble pas fait. Et c'est pas sûr que ça se fera cet été. Même si ça me paraît le meilleur moment pour ma cour de vendre un peu cher. Oui, Agoumé, c'est un gros profil, effectivement. C'est Sekumara, quitte, vu que Bordeaux risque une relégation nationale. Ouais, c'est Sekumara, petit profil sympa d'attaquant jeune, c'est pas mal. Louis Muriel, tu en penses quoi? Ben, j'avais interrogé justement Pierre Gerbeau qui nous en parlait, qui nous disait qu'il avait un profil intéressant, mais c'est vraiment un joueur de collectif. Donc c'est un joueur qui va pas faire de vagues, qui va s'insérer dans le collectif, qui peut jouer à plusieurs postes. C'est un attaquant, surtout quand même. Bon attaquant, colombien, expérimenté. Ça peut être sympa dans le collectif. Après, je pense que tu vois, tu peux pas prendre Bakambu, garder Bakambu et prendre un joueur comme Muriel, quoi. Ça fait doublon, quoi. Frédérico, toi tu proposes Enzo Fernandez, la merveille de River Plate, énorme talent, 21 ans, milieu offensif à saisir. Ouais, c'est une merveille, je pense que ça va coûter très cher. Le prix des jeunes joueurs, les jeunes pépites argentines, c'est quand même assez cher. Après, est-ce que l'OM aura les moyens de refaire un gros coup comme avec Gerson? À voir, je sais pas. Prototype OM, toi tu dis, je suis fan d'Adama Traoré à droite, 25 millions, mais on pourra certainement pas. Alors qu'il peut jouer des deux côtés. Barça le veut pas, il rentre au Wolf. Ouais, moi je suis pas aussi fan que toi. Je trouve que c'est un bon joueur, hein, y a rien à dire. Hein. Mais je trouve que le rapport qualité-prix est pas intéressant. Talos, j'attends Danilo du Brésil. Pour rester sur les jeunes, français Mbuku, pardon. T'aimes beaucoup. Pour jouer sur les côtés, c'est pas mal aussi. Ouais, ça fait un petit moment qu'on entend parler d'un bon coup. Un bon coup, quoi. Januzaj, le Belge, on l'a déjà dit tout à l'heure, ouais, Bruno à Marseille, il est libre. C'est un nom qui revient chaque mercato. Hein. Januzaj, ça fait bien 2-3 ans que c'est vraiment tout le temps, quoi. Vous avez parlé de Brian Gill, la rumeur qui circule depuis hier soir. Oui, c'est vrai, c'est Nabil Djellit qui a lancé ça et ça a été confirmé par un autre journaliste étranger dont je ne me souviens plus le nom. Ouais, mais ce serait une possibilité. Ça serait une possibilité. Il n'y a pas de discussion. C'est une piste observée. Sachant que notre ami Pablo Longoria, il a quand même des listes monstrueuse, tu vois, faut pas s'enflammer quoi. Lacroix pour remplacer Saliba, c'est pas mal. Oui, ça on en avait parlé aussi. C'est encore un nom qui revient de temps en temps. En parlant du Barça et le petit Autrichien Demir, qui était en prêt chez eux, ils l'avaient pas conservé. Il serait pas trop cher de mémoire. L'Oriade.
Ouais, je l'ai vu jouer. C'est vrai que ça, tu vois, on parlait tout à l'heure d'avoir un jeune comme doublure d'Under. Under, c'est pas mal comme profil, je suis d'accord avec toi. Zindi Ferrat, j'ai l'impression que c'est un peu limité quand même pour l'OM, même si c'est un bon joueur de ballon. Je le vois plutôt dans un club un peu moins ambitieux. Mais il mérite de jouer en Ligue 1, je suis d'accord avec toi. L'an passé, on avait eu des échos d'un intérêt de l'OM pour El Bilal Touré. Ça s'est reconfirmé cette année ou pas du tout? Non, a priori non. Puis il sort d'une saison moyenne, il a été blessé, etc. Il a du mal à confirmer notre ami Bilal Touré. Donc non, non, non. A priori c'est pas la tendance. Tiens, attention, tu dis entre la DNCG où c'est compliqué, l'affaire Gay avec l'UEFA, peut-être sanctionné par une nouvelle enquête de l'UEFA nous concernant. Devrions pas être inquiets. Bon, en tout cas, faut prendre one by one, un par un. L'affaire Gay, on va attendre octobre, ça sera statué en octobre. Je pense que Gay, il va pas couper à une suspension, donc ça faudra que ça soit anticipé. La sanction de l'OM, c'est pas sûr. Tu peux prendre deux mercato, mais c'est pas certain qu'en octobre tu sois sanctionné de deux mercato. Donc ça, il faut attendre octobre. DNCG, dans 2 jours, on sera fixé si tu es encore encadré ou pas. A priori, ils sont confiants, mais bon, ils vont pas dire le contraire. Et l'UEFA, bon ben voilà, ils demandent un petit peu des garanties à suivre. C'est sûr que ça veut dire que tu as tellement de pertes chaque année aussi. On comprend que toutes ces instances-là, elles s'inquiètent. Et encore, c'est des instances qui sont plutôt cool hein, quand même. Et au milieu, Cartman Fire, tu demandes, on n'a pas signé un jeune Turc. On n'a plus entendu parler. Si, 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 il arrive, notre ami Elmaz. Mais bon, il est très jeune, c'est plutôt avec la réserve, comme dit Fabien Lecoun, je suis d'accord avec ça. De toute façon, ils vont recruter plusieurs jeunes, il y a un jeune gardien, il y a un jeune attaquant camerounais. C'est des jeunes joueurs qui arrivent et qui vont plutôt commencer avec la réserve. C'est pas des joueurs qui vont être avec l'équipe première tout de suite. Sauf si vraiment ils flambent, comme tu vois, notre ami Bamba Dieng qui s'est fait remarquer parce qu'il avait un peu joué avec Largué. Ça peut arriver comme ça, au bout de quelques mois, imagine, t'as des blessés en attaque. Tu fais jouer un jeune attaquant et il est bon, ça peut aller vite. Jeune gardien belge qui a signé, on en parle, voilà, ben c'est ça. Je sais plus comment il s'appelle, je vais raconter des bêtises. Je vais vous dire ça tout de suite. Comme ça, je vais arrêter de dire des mauvais noms, ou les écorcher, parce que j'aime pas faire ça. Alors, 3. Trois jeunes recrues à Marseille, c'est le nom de l'article sur le site. Donc, on l'a déjà dit, notre ami Bartuk Elmaz, 19 ans, qui vient de Galatasaray, il était libre. Il y a Joël Van Neck, 19 ans, qui vient du FC Bruges. Et l'attaquant camerounais, Régis, alors c'est pas Muge, je pense qu'il y a un H. Mouguet peut-être, ou je sais pas comment ça se prononce. Voilà, c'est les 3 joueurs qui devraient débarquer rapidement. Ça va jouer la Youth League, ces 3 recrues surtout. Oui, il y a des chances, il y a des chances. Enzo Lefebvre, Khéphren Thuram, c'est cher ou abordable? Alors Thuram, je pense que c'est très cher et on en parle au PSG si Galtier signe. Enzo Lefebvre, comme je disais tout à l'heure, vers Lens, ça fait très longtemps qu'il est suivi. Et je pense que ça devient un peu cher maintenant. C'était avant qu'il fallait le prendre. Ces joueurs-là, tu te réveilles trop tard. Van der Ven, je crois que c'est un défenseur, Talos. Salut Patou. On a des pertes tous les ans. On galère à la DNCG chaque fois. Comment ma courte peut tenir? J'ai du mal à comprendre. Moi, là, je suis d'accord avec toi. Autant je suis pas dans la team où je crois que c'est vendu depuis un an et demi. Mais effectivement, moi je comprends pas comment McCourt il peut garder le club encore longtemps. D'après ce que j'ai compris, il demande beaucoup d'argent et c'est pour ça que ça se fait pas. Mais je pense que là, avec la Ligue des Champions, etc., il y a quand même un effectif qui a été un peu rajeuni. Tu as des joueurs qui sont un peu plus bankable comme Guendouzi, Gerson, etc. Je pense que pour lui, s'il a une belle offre, c'est maintenant, quoi. C'est maintenant. Ou alors il attend de jouer une Ligue des Champions en espérant se requalifier, je sais pas. Mais bon, c'est vrai que moi je comprends pas comment il peut rester aussi longtemps avec autant de pertes. Il espère peut-être tout le temps se refaire. Peut-être que c'est un joueur de casino. Hein.
Qui tu dis Marco Otero à l'OM et Ribalta, du bon travail à venir. En tout cas, clairement, Longoria, il est en train de constituer son équipe. Là, il récupère que des gens avec qui il a travaillé, qu'il connaît bien, des Espagnols. Otero parle parfaitement français, Ribalta, je ne sais pas. Mais ça va un petit peu contre, enfin pour moi, hein, contre l'idée d'une vente. Je ne vois pas pourquoi il s'embêterait à recruter, à refaire tout un ordre d'organigramme interne, sachant que ça va être vendu. C'est pour ça que ça met un peu le doute, moi, je trouve, ces recrutements-là, pour les gens qui croient à une vente rapide. Je sais pas, tu vois. Mbappé, t'en penses quoi? Me demande Fabien. C'est une solution à droite, international suisse. On m'en a dit plutôt du bien. Donc, on a fait un article sur Football Club de Marseille la semaine dernière. J'ai eu Valentin qui nous en a parlé, qui suit le football suisse, qui connaît parfaitement le football suisse et qui était. Il a des limites. Il y a des limites, mais il a aussi des qualités. Donc, c'est un joueur qui se bat, etc. Je pense que dans l'effectif, pas forcément comme un titulaire indiscutable, c'est pas inintéressant. Qui tu dis, selon Foot Mercato, l'OM a fait une offre pour Luis Muriel, ça sent le départ de Milik Koubakambou. Ouais, moi, je pense que de toute façon, il va y avoir des départs en attaque. Vu toutes les rumeurs qu'il y a en attaque, Dieng, il a beau répéter qu'il veut pas partir, mais j'ai peur que ça arrive, malheureusement. Mais moi, Milik aussi, pour moi, Milik va partir. Bakambu, je sais pas. Mais Bakambu, on n'a pas entendu parler de club intéressé, par contre. Ouais, Dries Mertens, c'est trop cher, Albator, de toute façon. Naples qui veut se débarrasser de Ounas, je suis étonné qu'on n'entende pas de nouveau la rumeur. Ouais, que ça peut arriver, un Cartman Fire, c'est des rumeurs récurrentes aussi. Après, Ounas, c'est quand même un joueur hyper irrégulier. Hein. Comment McCourt peut être en perte, sachant qu'il remet 100 millions d'euros dans l'entreprise McCourt Europe sur la sécurité Internet dans son projet? Ça n'a rien à voir. C'est l'OM qui accumule les pertes, c'est pas McCourt en lui-même. Lui, McCourt, il met du pognon dans l'OM, ça lui. Mais c'est pas la même chose. Lauria, tu dis, il m'impressionne le Pablo quand on pense qu'il est plus jeune que la plupart d'entre nous. Ouais, c'est sûr. Maintenant, il va falloir rivaliser encore plus avec Lyon, qui va se faire racheter en plus de Paris, non? Qu'est-ce que tu en penses, Nico? Ouais, ça c'est sûr. Disons que c'était plutôt positif par rapport à Lyon, parce que le fait qu'ils jouent pas à la Coupe d'Europe plusieurs années de suite, ça les mettait vraiment dans la merde. Et le fait d'avoir des nouveaux investisseurs, a priori, ça c'est en train de se confirmer, ils vont avoir une enveloppe mercato un peu plus élevée, alors que ça aurait été dur cette année, je pense. Oui, ça va un peu les relancer, donc ça va être un concurrent clair au podium la saison prochaine. Avec Monaco en plus, oui, ça va renforcer ça va renforcer la difficulté, ça c'est sûr. Ouais, je suis d'accord avec toi, beaucoup de mouvements en interne pour l'organisation future. Ah, tu crois que ça c'est Magium Cello qui me dit, toi tu vois ça en fait comme une anticipation de la vente. Ouais, j'ai du mal à voir ça moi, parce que quand tu vois en général les ventes, comment ça se passe, ils viennent et ils nettoient les effectifs, les joueurs, les mecs arrivent pas avant quoi. À voir, à suivre. Quant à Steph, qui s'est abonné avec Prime, merci à toi, merci de ton abonnement. Comme je disais tout à l'heure, c'est grâce à vous, les abonnés, que ça nous aide en tout cas. Les subs, les abonnés, merci à vous. Ah, tu dis que Mertens, il va prolonger à Naples. Ok. Bon, après, Mertens, c'est pas un truc qui m'enflammait. C'était un joueur qui coûte très cher. C'est très bon joueur, hein, mais je pense que l'argent, il faut le mettre ailleurs, quoi. Oui, Kit, je suis d'accord avec toi. C'est ce qu'on m'a dit. C'est pas le plus grand technicien, Kevin Mbabou. Mais c'est un joueur qui court vite, qui court beaucoup et longtemps. C'est un chien, quoi. Mais c'est pas le plus grand technicien, c'est pas le meilleur centreur, donc c'est pas un profil pour un titulaire. Alors, il y a Football 832 qui nous fait Info Mercato. Villarreal sont ouverts à la vente de Coquelin selon Foot Mercato. Bon, en tout cas, Coquelin, il est ouvert à d'autres propositions. Donc, ça, c'est pourquoi pas. Ça peut être une solution aussi. Moi, j'avais dit ça l'autre jour dans DFM. Ça peut être un peu le Édouard Cissé de l'époque avec Deschamps.
un joueur un peu expérimenté, pas un cadre, mais un joueur équilibrant dans l'équipe, pourquoi pas? S'il est un peu moins blessé, parce que j'ai regardé, il est quand même souvent blessé. Footmaster, tu me dis, Nantes veut à tout prix Milik. Ouais, bon, Milik, je pense que s'il quitte l'OM, c'est pour la Nantes. Hein. Ben, ça me surprendrait en tout cas. Cartman Fire, faut encore pouvoir attirer des joueurs. Oui, ben oui, là, tu as quand même un effectif qui va être reconstruit, parce que je pense qu'il va aussi y avoir des départs. Talos, l'OM perd de l'argent à cause des conneries de JHE. Je me suis mal exprimé, mais il a de l'argent. C'est ça que je voulais dire. Donc, il va remettre de l'argent, même si ce n'est pas le sien, prêt ou investisseur extérieur. Oui, c'est possible. Puis surtout que là, je pense que McCourt, quand il avait l'équipe de Dodgers, l'équipe de baseball aux États-Unis, il avait fait le jackpot. Bon, il fera pas un truc comme ça avec l'OM. Mais je pense qu'il se dit, là, c'est en train de se reconstruire. Là, il a pris le bon truc. Il est en train de redorer l'image de l'OM. Et il se dit que peut-être que plus il arrive à monter les clubs, plus il va prendre un énorme chèque. Je pense qu'il espère ça. Il espère ça. Maintenant, est-ce que c'est un peu du jeu, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu du casino, parce que tu peux avoir une saison compliquée avec Monaco, Lyon, etc., qui t'éjecte du podium. Et du coup, pour le vendre l'année prochaine, ce sera plus difficile. Donc je sais pas. Enfin, au prix, hein, je parle des prix. Donc ça, je sais pas. Mais tout ça, c'est des supputations, en vrai. C'est une mise en capital, ouais. Mais c'est quand même c'est pas un rachat complet, mais c'est quand même 60% des parts. Quant à Steph, donc quand même, c'est pas un rachat, mais quasi. C'est un rachat sur une majorité des parts, en tout cas. Perso, Milik cet été, je le vends, sinon il part libre l'été prochain. Ouais, c'est ce que disait l'équipe, il n'y aura plus qu'un an de contrat, c'est quand même assez aberrant. Ah, James Paléjean, tu as vu, c'est classe, hein, le stéréo. Eh oui. Oui, j'ai vu la photo TCK, Vieira avec Dieng et Adiambars pour la coupe. Tu crois que Crystal Palace va faire le forcing? Bon, il faut qu'ils mettent 40 sur la table, hein, Crystal, alors. Ils ont 50 millions d'attaquants, Crystal Palace. Ouais, les équipes espoirs, mais après ça marche pas tout le temps, il y a pas mal de déceptions. Kofi Honorice, tu dis content que Witsel ne vienne pas. Il faut tenter Danilo coûte que coûte. Ouais, Danilo coûte que coûte, justement, ça coûte cher, Danilo. Après, le profil est intéressant, mais ça coûte très cher. Pourquoi pas tenter Bellotti, qui est libre? Ben Yedder, trop cher, tu penses, pour nous, Nico? Ouais, je pense que Ben Yedder, c'est un énorme salaire. C'est un énorme salaire. Bellotti, je suis moins fan. Ben Yedder, super joueur, mais Bellotti, c'est un peu brut, moi, je trouve, comme joueur. C'est pas assez fin techniquement, quoi. Si tu vends Milik pour prendre Bellotti, je pense que tu perds, quoi. Un échange Muriel-Milik, ça pourrait satisfaire tout le monde. C'est pas le même profil. Est-ce que la Talanta, ils veulent un profil comme Milik? Ouais, peut-être. Le Danilo, c'est le Danilo de Palmeiras. Non, Saki, il n'y a pas de live YouTube pour le débat fac. Et bienvenue à toi, en tout cas. C'est bien aussi Twitch, hein, franchement, les gars. Talos, McCourt a acheté l'OM à 40 millions, plus investissement en 250 millions, plus coût d'exploitation. Ça fait quand même 500 millions et je pense que l'OM vaut ce prix maintenant vu notre staff jeune joueur. Bah, je pense que c'est ce qu'il veut aussi, quoi. Je pense que lui aussi, c'est un peu l'idée. Quelqu'a entendu parler de la rumeur Lucas Torreira à l'OM? Alors, c'est pas vraiment une rumeur pour Prototype OM. C'est un joueur qui serait suivi, qui serait dans les listes, mais il n'y a pas de contact, il n'y a pas de discussion, il n'y a rien en cours. Après, moi, franchement, c'est un profil qui me plaît. C'est un mec qui était prêté à la Fiorentina par Arsenal. Je crois qu'il a plus qu'un an de contrat. Il va partir d'Arsenal, il ne veut pas rester là-bas. C'est un petit gabarit, il est vraiment pas grand, mais c'est un petit teigneux qui court dans tous les sens. Je pense que ça pourrait être intéressant à l'OM. En tout cas, il a l'état d'esprit pour jouer pour Sampaoli. Donc pourquoi pas? Je pense que c'est une solution à laquelle pense Pablo. Surtout qu'il a quand même il travaille pas mal avec Arsenal. Moi, je connais pas Kofi Annerijs, un Islandais. Samsted, ailier gauche, très solide. Je connais pas. James Paléjean, non, non, on passe pas trois fois devant l'ANCG. On est passé une fois, on a été recalé
en disant qu'il y avait pas, les documents n'étaient pas assez précis. L'OM a mis trois plombes à envoyer les documents. Ils ont envoyé les documents et la DNCG n'a pas encore restatué une deuxième fois. Donc là, ils vont restatuer une deuxième fois avec tous les compléments de documents qu'il y a eu. Et on saura jeudi, normalement, où ça en est. Qui tu dis, cette saison, nous jouerons avec aucun joueur un peu connu du centre de formation? Bah, malheureusement, j'ai pas l'impression, quoi. Ah, Bodo Glimt. Ah ouais, c'est une des... Ok. D'accord, Confirmaris. Avec des vrais milieux latéraux de haut niveau, Milik va casser la baraque. Ouais, ça, c'est possible. Mais c'est pas forcément le jeu de Sampoli. Merci à Roméo GT qui s'est abonné avec Prime. Merci à toi. Merci de nous aider, les gars. Franchement, vous assurez. Salut le Joker. Vandenbomen, Alibator, tout le monde c'est un joueur qui a fait une grosse saison en Ligue 2. Mais pour l'instant, à l'OM, il n'y a pas de rumeur le concernant. Fabien Lecun, je pense que oui, il va être conservé, notre ami Conrad, bien sûr. Merci à Sakitos, qui s'est abonné aussi avec Prime. Merci les gars, franchement, vous assurez. Hein. N'oubliez pas, si vous avez un abonnement Prime, vous pouvez juste le lier à notre compte. Et ça nous aide, ça nous aide, ça nous soutient financièrement et on a besoin de vos aides. Donc merci encore une fois. Tagliafico, super joueur que voulait à tout prix notre ami Sampaoli. Après, je suis pas sûr que ce soit 4 millions quand même. El Capo. Il n'y avait pas eu de second report en fait. C'est plus un délai de documents, d'après ce que j'ai compris. Les petits Uruguayens, c'est fort. Ce petit joueur additionné à Guendouzi Gerson, ça, c'est le feu. Ouais, moi j'aime bien cet état d'esprit. J'aime bien cette gara. La gara des Uruguayens, ça me plairait bien un Uruguayen. Brian Jean, ouais, c'est une rumeur. C'est un jeune joueur qui a besoin de temps de jeu. Donc un prêt, ça me paraît tout à fait possible. Hein. L'OM ne serait pas seul sur le coup, donc à voir si c'est vraiment faisable. Mais ça serait intéressant. Ouais. Je pense que de toute façon, Longoria, c'est le spécialiste de ce genre de choses. Il va tenter sa chance. Roméo GT, bonjour. Abonnement valide avec Amazon Prime. Allez, l'OM, merci à toi. Ça fait plaisir. William Carvalho est libre. Faut sauter dessus. Alors, William Carvalho, c'est lequel? Parce que les Carvalho, il y a un moulon. Hein. Ah, c'est le mec qui joue au Sporting. C'est quoi? Il avait été transféré au Betis pour 16 millions en 2018. Et là, ouais, il est libre, effectivement. Ah non, a priori, il a encore un an de contrat. Hein. Enfin, à voir, je sais pas. Il a encore une grosse cote quand même hein, sur Transfermarkt. 30 ans. Est-ce que c'est un profil qui correspond à Sampaoli? On peut avoir des doutes quand même. Info, Foot Mercato, il serait disponible pour 4 millions de Tagliafico. Il serait mis d'accord avec l'Ajax pour cet été. Mais bon, en face, on a Naples et Barcelone. Ouais, c'est ça, la concurrence est chaude quand même. Saki, toi tu dis Sakitos, une idée de joueur pour remplacer Payet. Ça peut être Harit. Harit, c'est une des possibilités, même si c'est pas le même jeu, forcément. Ben Arfa pour remplacer Harit. Oh non, non, ah, franchement, Football 3, il faut laisser Ben Arfa tranquille, je pense qu'il a trop de problèmes dans sa tête, Ben Arfa. C'est trop compliqué, Ben Arfa à gérer. Puis bon, Ben Arfa, il est plutôt jeune, hein. Puis regardez ce qu'il fait ces dernières années. Il fait à peine des demi-saisons, il se barre des clubs toujours en embrouille, c'est pas possible. Pourquoi on récupère pas Ocampos, Valbuena, Ribéry, Gignac, Tovin? Fabien Lecoun. Gignac, il a déjà dit non. Valbuena, il vient de prolonger une saison à Olympiakos. Ribéry, pareil, ils ont tous 36, 38 ans. Tovin, il est en échec au Mexique. Non, le seul à la rigueur qui a un profil assez sympa là-dedans, blague à part, c'est Ocampos, quoi, qui est un peu en perte de vitesse au FC Séville. Carlos Vela recherche un nouveau club après sa période de MLS. Ouais, j'ai des bons souvenirs quand il jouait en Liga internationale mexicain.
Ouais, Carvalho, c'est un bon milieu défensif, mais est-ce que c'est vraiment le profil Sampaoli? Je suis pas complètement sûr. À vérifier. Alors, je vais regarder cette histoire de Tagliafico. Parce que ça, c'est vraiment un profil qui plaît à Sampaoli, hein, clairement. Il voulait pas Kolasinac, à notre ami. Hein. Ouais, je vois l'article sur Villarreal c'est As en fait. C'est As qui explique que Villarreal est open pour Coquelin, qui a 31 ans, à suivre. Oscar, ancien de Chelsea, qui veut revenir en Europe. Après, t'as vu les mecs qui reviennent de Chine, ça coûte bonbon en salaire. Regarde Bakambu. Baka presque goal. Il n'y aura pas de recrutement avant le 1er juillet, car la saison comptable se clôture le 30 juin et nous sommes bloqués par la DNCG et son jugement de l'année dernière avec l'encadrement salarial, mais aussi des prêts à payer sur cette année. Ouais, bon après tu peux. Ça dépend ce que tu fais. Si tu fais un joueur libre, je pense que tu peux le faire avant, ou un joueur en prêt, tu vois. Je ne serais pas aussi affirmatif que toi. Clem. Sinon, j'aime bien les deux frères mexicains Dos Santos. Fabien Lecun. Ouais, c'est vrai que c'était sympa, mais on les a un peu perdus de vue, nos amis. Hola, Ernesto, bienvenue. Il y a Pereira, le Brésilien, qui revient à Manchester United, mais est transférable. Ouais, il sort pas d'une saison folle. Hein. Pereira à Flamengo, c'est pas ouf. Hein. C'est lui qui fait l'erreur. Qui leur coûte la Libertadores. C'est Andreas Pereira. Ah, il est quoi? Il est. Il est né en Belgique, lui, en fait. C'est un Brésilien. Pas totalement emballé, faudrait qu'il se remette mentalement parce qu'il a eu du mal à se relancer après cette erreur. Giovanni et Jonathan Dos Santos. Fallait les prendre il y a 5 ans. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord avec toi, Valentino. C'était il y a 5 ans qu'il fallait les prendre. Vous cherchez quoi comme joueur? Désolé, j'ai du retard. Félicitations d'ailleurs pour la stéréo. Bah ouais, c'est cool, hein, Ernesto. On avait parlé ailier droit en début de débat fac, on avait des noms comme Kebal, Lamela, Amoutsou, Yanouzage, Cabral, voilà, Denisman, on avait ce genre de joueurs. Ouais, Dybala, je pense que c'est même pas la peine, les gars. Talisca, qui joue aux Émirats, c'est celui qui était au Benfica, c'est ça, pour ton petit poème. Sinon, il y a Kidd qui propose Akugawa, fin de contrat 2024, petit salaire, bon remplacement pour Payet qui peut jouer sur les côtés, 26 ans, évalué à 5 millions par Transfermarkt. Latéral gauche de Feyenoord, Malasias, trop cher pour l'OM. Il y a Lyon déjà qui bataille a priori là-dessus, je crois. Mais ouais, c'est un des bons joueurs de Feyenoord, hein, ça c'est clair. L'Oriad, je crois que tu prends pas trop de risques en fait. Je pense que t'es tranquille. Que penses-tu de McAllister? Qui vient faire le milieu offensif droit ou gauche. Si j'aime pas les gens qui prononcent pas. Il est international. Très technique. Très rond tireur de coup franc. Ouais, je connais pas, écoute. Talisca, ouais, l'ancien de Benfica, ailier gaucher, peut jouer 9 et 10. Ouais, je me souviens, ouais. Un joueur un peu longiligne. Et j'ai la même vision que toi sur cette soi-disant vente, car on ne fait pas un organigramme d'un club alors que le club est vendu. Ça ne s'est jamais vu. Moi, ça me paraît étonnant après. Bon, messieurs, dames, il est 25. Je prends encore 3-4 questions. Et vous le savez, hein, c'est mardi. Je vais chercher les gosses à l'école après. Nico, tu voulais un Uruguayen. Leonardo Fernandez et Kofi Henrys. Toluca au Mexique. 23 ans, 1m66. Milieu offensif, 15 matchs, 7 buts. 2 passes D, 10 millions d'euros. Petit gabarit. 1m66, c'est petit, hein. C'est le Valbuena uruguayen, quoi. Mais c'est un petit hargneux, j'imagine, Kofi Henrys. D'ailleurs, Kofi Henrys,
Je crois que c'est toi qui avais gagné le maillot de l'OM là, parce que j'ai essayé, je les envoie normalement dans la semaine. Là. J'ai balancé une photo sur Twitter. L'OM serait sur Tamez et Nico. T'as vu? Non, j'ai pas vu. C'est quoi la source? Tamezi, c'est l'ancien de Nice. Ouais, les rumeurs, c'est dingue. Franchement, c'est dingue. Il y en a de partout. Franchement, j'ai rarement vu autant de rumeurs. Max Lopez, il nous fait pas des appels du pied un peu? Ouais, franchement, déjà il était venu il y a plus d'un an, c'était en mai 2021. Il était venu sur notre plateau pour le premier live qu'on avait fait de fin de saison, là, celui de 16h à l'époque. On était des dingues. Et on avait fait une belle interview avec lui. Et déjà, je lui avais dit quand tu vois que c'est Sampaoli, est-ce que ça te dirait, si t'as pas des regrets de pas de là? Et il avait déjà dit ouais, franchement, je pense que Sampaoli, j'ai clairement le jeu pour jouer avec lui. Après, les appels du pied, je sais pas. Je sais pas parce que Sassuolo, vu que tu leur as bradé le joueur, c'est compliqué de le racheter parce qu'eux, ils veulent pas le brader par contre. Hein. Virginius de Sochaux, peut-être intéressant comme remplaçant. Fait des bons matchs avec les U19 français. Joueur rapide, percutant, capable de marquer 19 ans. 2 millions d'euros. Écoute, Ludo, pourquoi pas? Des jeunes comme ça pour compléter. Après, moi, ce qu'on a toujours dit, et c'est un truc avec Moura, on le répète souvent, pour les postes de remplaçants, faut voir si t'as pas déjà des jeunes avec ce profil-là dans ton équipe, quoi, dans ton centre de formation. Autant les titulaires, c'est compliqué d'aller chercher, de prendre tes jeunes, sauf si t'as des mecs comme Camara qui émergent, etc., ou Nasri. Mais sinon, les remplaçants, je préfère avoir des jeunes du centre de formation. Pas tous les postes, on s'entend. Mais tu vois, comme cinquième défenseur central, je préférais ou quatrième, avoir Lucas Perrin qu'aller chercher encore un joueur à l'étranger, quoi. Moi, j'attends surtout un joueur, même si j'y crois pas vraiment, c'est Luis Sinisterra. Et ouais, Steven, ça coûte cher, hein. Je crois qu'il parlait de combien? 25, je crois. C'est cher quand même. Le Barça sur Lopez, ouais, ça serait dingue, hein. Il le suivait quand il était tout minot déjà. Talisca, il joue milieu. 9 millions ailier droit. Bruno Marseille. Ouais, 15 millions minimum, ça suit l'eau, t'imagines? C'est 10 fois le prix qu'on a vendu. On l'aura vraiment bradé, quoi. Old El Paso. Franchement, les années précédentes, c'est sympa de suivre les rumeurs tout l'été. Mais là, c'est trop. Je me suis déjà désintéressé. Ouais, je t'avoue que même moi, alors que c'est mon boulot, je commence à saturer. Il y a trop d'infos. En fait, il me tarde qu'il commence à y avoir un peu des officialisations pour que ça fasse un peu le ménage. Parce que tu sais que déjà, si tu signes un mec à tel poste, tous les mecs à ce poste-là, ça va dégager les rumeurs, donc c'est bien. Kofi Annerice, Mourad va retrouver le sourire Bielsa va à Bilbao si le candidat de l'élection de cet été gagne. Ouais, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Moi aussi, j'avoue, je retrouverai le sourire. J'aurais plaisir à suivre Bilbao si Bielsa signe là-bas. Ça peut être rigolo. Un retour à Bilbao, c'est étonnant. Hein. Ben bon, il faut que le président soit élu par les socios. Allez, bon, je pense qu'on va s'arrêter là. J'en ai vu une dernière. C'était quoi? Ah oui, non, tu parlais de l'attaquant, ok. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce petit live. Merci d'être venu sur Twitch. Merci pour tous les gens qui se sont sub ou qui se sont abonnés à la chaîne Twitch. Ça nous aide, on a besoin de votre soutien, c'est important. On se retrouve ce jeudi, c'est moi qui fais l'apéro mercato. Alors, c'est pas en live, donc ça sera pas en live sur Twitch. C'est dans les conditions du live, mais c'est tourné dans les conditions du live, mais c'est pas en live. On s'est rediffusé à 17h30 sur la chaîne YouTube. Voilà, c'est pour l'apéro mercato. Et on aura bien sûr un débat foot Marseille lundi prochain. Et là, ça sera en live sur Twitch et sur YouTube. Merci à toutes et à tous, encore une fois, d'être venus nombreux et de nous soutenir. Merci à vous. Et à très vite, à très bientôt. Bonne journée, bonne rumeur mercato. Amusez-vous bien. Et aujourd'hui, c'est un très très beau jour. C'est le premier jour de l'été. C'est la fête de la musique. Et j'en profite vu que c'est la fin. J'avais pas le dire au début. C'est aussi mon anniversaire. Donc, je suis très heureux d'avoir passé ce petit moment-là dans ce jour un peu spécial pour moi. Merci et ciao ciao. À très bientôt.